Jean 11, 19 à 27. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Amen. Amen. John 11, verse 19 to 27. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. 21. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. Verse 22. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, Mark verse 25, that's our key verse. Notez le verset 25, c'est notre verset. When I read it, you also read it for me before I go to 26, Pastor Anne. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believe in me, though he were dead, yet shall he live. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believe thou this? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Praise God. Hallelujah. Now, today is Easter. Aujourd'hui, c'est Pâques. How many of you know what is Easter about? What are we celebrating in Easter? Combien de personnes savent to hear la raison de la célébration from de ce jour? From the crowd. Yeah, Mama Matt, please. On célèbre quoi? La résurrection de Christ. La résurrection de Christ. Applaudissez pour elle. We celebrate Christ's resurrection. C'est vrai? Is that true? C'est vrai? Ok, elle interprète. On célèbre quoi? One interpreter. Give the reason of the celebration of this day. La résurrection de Christ. Hallelujah. Christ's resurrection. Amen. Now, Easter is a period where the church gathered and celebrate the resurrection of Christ. La Pâque, c'est une période où les chrétiens se réunissent et célèbrent la résurrection. Now, some are surprised because today the service of Manto for Monday. Et certains sont surpris parce qu'aujourd'hui était supposé être le service de Manto pour le mandat. Well, why? What is he talking about? De quoi est-ce qu'il parle? Now, I will explain to you. Avant, je vais vous expliquer. The meaning of resurrection. La signification de la résurrection. Now, what is resurrection? Qu'est-ce que la résurrection? I want to hear from anybody in the crowd, please, before I give my definition. Avant de donner ma définition, quelqu'un dans la foule? Yeah, what is resurrection? When we speak of resurrection, what does it mean? Quand on parle de la résurrection, qu'est-ce que cela veut dire? The meaning of resurrection. La signification de la résurrection. La résurrection, c'est sortir de nouveau, renaître de nouveau. Applaudissez pour elle. She's not far from the truth. Elle n'est pas loin de la vérité. Quand tu applaudis comme tu es jaloux, applaudis bien pour elle. Clap pour elle pour moi. C'est pas facile. You know what? I want to sing to you because we are celebrating the whole world today. Christians, le monde entier, are celebrating Easter. Les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâque. Some Christians are even sending eggs
in my phone. Et certains m'envoient des textes dans le téléphone. Decorated X. Un X décoré. Anyway, it's your problem. Okay. La résurrection, c'est de passer de la mort à la vie. Okay, clap for her. Is passing from life, from death to life. Okay. Number one definition of resurrection. La première définition de la résurrection. The act or fact of bringing someone back to life. C'est le fait de ramener quelqu'un à la vie. Or bringing something back into use or existence. Ou ramener quelque chose à l'existence. When we talk about resurrection, quand on parle de la résurrection, is the act of or fact of bringing someone back to life. C'est le fait ou l'acte de ramener quelqu'un à la vie. Or bring something back into use or existence. Ou ramener quelque chose à l'utilisation. It means something à l'existence. That have lost value. C'est-à-dire quelque chose qui a perdu de la valeur. That have become useless. Qui est devenu inutile. When we talk about resurrection, it means we bring back that thing ça back veut dire to use. Qu'on ramène ces choses à l'utilité. Someone that is dead. Quelqu'un qui est mort. To bring the person back to life. Ramener celui-là à la vie. Hear me? If HIV is a killer disease. Si le VIH est une maladie mortelle. Has it killed you yet? Est-ce que cela vous a déjà tué? Hein? Has it killed you yet? Est-ce que cela vous a déjà tué? Nobody answered me. Are you tired? Vous êtes fatigué? Are you tired? Hein? Now, resurrection means. La résurrection veut dire. To give back value. Redonner la valeur to what have lost value, à ce qui avait perdu sa valeur. To bring back to life, ramener à la vie what is dead, ce qui est mort. Or what was dead, ou ce qui était mort. Hallelujah. Amen. Now, if you believe in the power of resurrection, donc maintenant si tu crois en la puissance de la résurrection, and they tell you you have HIV, et on te dit peut-être or tu as you le have VIH, cancer, ou que tu as le cancer. You know, you find out that the capacity, et tu vois que la capacité of the power of resurrection, de la puissance de la résurrection, is above cancer, est au-dessus du cancer. Because cancer have not killed you yet. Parce que le cancer ne t'a pas encore tué. Resurrection is not dealing with disease. La résurrection ne traite pas avec les maladies. He deals with what? He deals with life. Mais avec la vie. He brings life. Ça apporte la vie. Whatever is dead, quel qu'en soit ce qui est mort, he comes back and gives life. It comes back and gives life. Ça vient donner la vie. Hallelujah. Je prie pour quelqu'un ici. Tout ce qui est mort dans ta vie. Oh, what is that in que your ça life? Prend vie aujourd'hui au nom puissance de Jésus-Christ. Let it take back life in the mighty name of tout Jesus. Tout ce qui le diable a détruit dans ta vie. Oh, what the devil has destroyed in your que life. Que le diable a rendu ça inutile. That the devil has rendered it useless. À partir d'aujourd'hui, from today, par la puissance de la résurrection, by the power of resurrection, ça sera utile au nom puissance de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Est-ce que j'attends amen comme les gens qui croient à ce que je dis? Je vais attendre amen comme les gens qui croient que ce qui je parle c'est la parole de Dieu. Now, when Lazarus died. Maintenant quand Lazare est mort. Okay, let's leave the one of Jesus. Laissons le cas de Jésus. Okay, because he resurrected, true of us. Parce qu'il est ressuscité. Now let's come to the case of Lazarus. Revenons au cas de Lazare. Lazarus died. Lazare était mort. He was buried. On l'avait enterré. And he had been in the tomb for many days. Et il est resté dans la tombe pendant combien de jours? How many days? 4 days. 4 jours. And Jesus stayed in the tomb for how many days? Et Jésus est resté dans la tombe 3 days. Pendant combien de jours? Now while he was still alive. Pendant qu'il était encore vivant. Now when he went to the tomb of Lazarus. Il est allé vers la tombe de Lazare. When the sisters Martha and Mary saw Jesus. Quand les sœurs Martha et Marie ont vu Jésus. They went to him. Elles sont allées vers lui. Okay. You see, if you have been here. Il dit, si tu eusses été ici, our brother wouldn't have died. Notre frère ne serait pas mort. Jesus says, Jésus dit, don't you believe, ne crois-tu pas, that your brother will live again? Que ton frère vivra. What encore? Did she say? They say, we know, elles ont dit, nous that nous our savons, brother will live again. Nous savons que notre but frère revivra. On the word, resurrection day. Mais le jour de la résurrection. Now Jesus says, mais Jésus dit, hear the English. He did not say resurrection. He said, I am. Il n'a pas dit résurrection, il a dit je suis. He said what? He said I am the
resurrection. Jésus lui dit, je suis la résurrection. He said what? They were talking about the resurrection day. Elle parlait du jour de la résurrection. But Jesus was telling them, mais Jésus that, l'a dit, that day you are talking of, ce jour dont vous parlez, this is me standing before you. Me voici maintenant said, devant vous. I am, il a dit, je suis resurrection. La résurrection. If you are following what I'm saying here. Est-ce que vous suivez ce que je dis? He says what? I am the what? You are talking about the day, but I am telling you that me, I am the resurrection. Il dit, vous parlez du jour, mais moi, je suis la résurrection. But I am telling you, the resurrection himself is here. Mais la résurrection est même là. Hey! Makabasakayata. I don't know if somebody follows what I'm saying here. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? They were expecting elles attendaient the day of resurrection. Le jour de la résurrection. But the resurrection himself was mais there. La résurrection elle-même était déjà là. He said, I am. Il dit, je suis. It means that he is, how can I put it in English? He is, oh my God, he said, I am. Il dit, je suis. I am. Je suis. The resurrection. La résurrection. Resurrection means to bring back. La résurrection veut dire ramener à la okay. vie. Yeah. Resurrection means to bring back to life. Résurrection veut dire ramener à la vie. What was dead? Ce qui était mort. And he says, I am. Et il dit, je suis. The resurrection. La résurrection. He not only say it. Il ne l'a pas seulement dit. But he showed them. Mais il a démontré. He demonstrated it. Il a démontré. Hallelujah. He did not only what? Il n'a pas seulement dit. I am the resurrection. Mais il dit, je suis la résurrection. I am the resurrection. Je suis la I résurrection. Have come je suis venu to give you life. Vous donner la no vie. Wonder he says in John 10 verse 10 pas étonnant, that the thief cometh not but to steal, kill, il and dit, destroy. Le voleur vient pour voler but des I tuer, mais moi, have come je that suis venu you may have life. Que vous ayez la vie. It means that ça veut dire que if you have Jesus in you, si tu as Jésus en toi, you have the mandate. Tu as le mandat. Eh? You have what? The mandate. Vous avez le mandat. To give life. De donner la vie. He was mandated by his father. Il a été mandaté par son père. Pensez. He says, I am the resurrection. Il dit, je suis la résurrection. He said, anyone that believes in me, il dit, quiconque croit en moi, that one shall not die. Celui-là ne mourra point. Did Jesus die? Est-ce que Jésus est mort? You don't understand what I'm saying. Vous ne comprenez pas, est-ce qu'il est mort? There are people who are putting on black cloth. Il y a des gens qui portent les vêtements noirs. Are we mourning or celebrating? Est-ce que nous lamentons ou bien nous célébrons? Are we mourning or celebrating? Est-ce que nous lamentons ou bien nous célébrons? Did he die? Est-ce que Jésus était mort? Yes, he died. Il était mort. He died. But did death have power over him? Mais est-ce que la mort a eu le pouvoir sur lui? Hein? Did death have power over him? Est-ce que la mort a eu le pouvoir sur lui? Let me tell you. Oh, makabashukata. Oh, marekesukata. Let me tell you. Oh, there's something I get from heaven right now. Il y a quelque chose. Hear me. Écoutez-moi. Oh, shaka. Somebody help me. There is something I receive. Il y a quelque chose que that je viens de recevoir. Somebody will go back here today. Quelqu'un va rentrer ici aujourd'hui. With a revelation. Avec une révélation. That will change your life. Qui va changer ta vie. Hear me something. Écoutez quelque chose. Jesus was the resurrection. Jésus alone était la résurrection. When he was here on earth. Quand il était ici sur terre. That's why he went to the tomb of Lazarus. C'est pourquoi quand il est allé vers la tombe de Lazare. Okay. He brought Lazarus back. Il a ramené Lazare à la vie. Now, he now demonstrated. Il a maintenant démontré. He demonstrated. Il a démontré. What, who he was. Ce qu'il était. And when qui you read the apostles of the Lamb, when you study about the apostles of the Lamb, quand vous étudiez les apôtres, who are the apostles of the Lamb? Who are the apostles of the Lamb? Qui sont les apôtres de l'agneau? The ones that were with Jesus when he was in his earthly ministry life. Ceux qui étaient avec Jésus pendant sa mission terrestre. When you hear the way they present Jesus, quand vous écoutez la manière dont ils présentent Jésus, it's different from the way the other apostles present him. C'est différent de la manière dont les autres l'ont présenté.
Understand? Now you see, it's different. C'est différent. Now, look at this. Look at this. Look at this. When they were preaching in those days, quand ils prêchaient en ce temps, they were saying, believe in the Lord. Ils disent, croyez au Seigneur. Believe in Jesus. Croyons en Jésus. Because he was there physically. Parce qu'il était là physiquement. Okay? They were now seeing him and they believed in him. Ils le voyaient et ils croyaient now, en lui. When he resurrected, maintenant, après sa résurrection, if you receive him in dit, your life, si vous le recevez dans votre vie, you say what? If you do what? You receive him. Si vous le recevez, you say, Lord Jesus, come Seigneur Jésus, into my life. Tu dis, Seigneur Jésus, viens dans that's ma the, vie. That's the prayer of salvation. Voilà la prière du Lord salut. Lord Jesus, Seigneur Jésus, come into my life. Viens dans ma vie. Is that what I'm saying here? Est-ce que now, suis? You believe in him. Tu crois en lui. And secondly, you let him entered into you. Vous le now, entrer en when vous. He resurrected, quand il a ressuscité, people saw him. Les gens l'ont vu. And from that day, et à partir de ce jour, oh makabashukata, hey, lekosikata, he went to everywhere. Il est allé, il s'est rendu partout. He is in me. Il est en moi. Is he in you? Est-il en toi? Is he in you? Est-il en toi? Who do you have in you? Qui as-tu en toi? Eh? Bible says anyone that have Jesus have what? La Bible dit quiconque a Jésus you don't only have a la, life, n'a pas seulement la vie. You have life tu as la vie in abundance. En abondance. What does it mean life in abundance? Ça veut dire la vie it en means abondance. You can also give others life. Ça veut dire que tu peux également donner la vie aux autres. You have what? J'ai le panier ici de quoi? À abondance. I have je this basket in abundance. Partager aux autres. I can share it to others. J'ai papa. Et je donne pour les autres. I have mine and so, I have I if you have others. Jesus in your life, donc si tu as Jésus en toi, you become a life giver. Tu deviens donneur de vie. He said, anyone that believes in me, quiconque croit en moi, even though he was dead, bien qu'il fût mort, he shall live again. Il vivra encore. Because I am the resurrection. Parce que je suis la résurrection. I am the resurrection. Je suis la résurrection. Meaning, I am the life giver. Je suis donneur de vie. I give use je to the things that have become useless. Je donne l'utilité à ce qui est I utile. I pray for you. Je prie pour receive vous. Anointing. Recevez l'onction. Anywhere you go, partout vous you shall release life. Vous allez relâcher la vie. I say you shall release life. Vous relâcherez la vie. You shall release life. Vous allez disséquer la vie. You shall be a life giver. Vous serez donneur de vie. I pray. Je prie. By this understanding. Par cette compréhension. Of this day. De ce jour. May you become a life giver. Devenez donneur de vie. May you become a life giver. Devenez donneur de vie. May you become a life giver. Devenez donneur de vie. Anywhere you step your leg. Partout où vous allez frôler le pied. Where people don't have life. Où les gens n'ont pas de vie. May you give them life. Donnez-leur la vie. You don't only have life. Vous n'avez pas seulement but la you vie. Have abundance of life. Mais vous avez la vie en abondance. Anyone that want to live. Toute personne qui immediately veut vivre, get contact to you. Immédiatement il may you release life. Puisses-tu the life of Christ. La vie de Christ. Are you what I'm saying here? Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Hein? So if that. Donc, Pâques, is a day we celebrate c'est le jour où nous célébrons the resurrection, la résurrection, the life-giving power, la puissance qui donne la vie. We embrace nous embrassons the life-giving power, la puissance qui donne la vie. May it operate in your life from today. Qu'elle opère dans vos vies à partir de ce may jour. May it operate in your life from today. Qu'elle opère dans vos vies dans, may à partir it de ce operate jour. In your life. From today, quel opère dans vos vies à partir d'aujourd'hui. Whatever is dead in your life, quel cancer qui est mort dans votre vie. I pray, je prie, may it receive life today. Que ça reçoive la vie aujourd'hui. Whatever has been declared useless, tout ce qui a été déclaré inutile, may it become useful today. Que cela devienne utile aujourd'hui.
what I'm saying? Est-ce que vous suivez ce que now, je dis? Jesus Jésus was mandated a été mandaté by his father par son père to come de venir and give life. Et donner la so, vie. What was the mission of Jesus? Quelle était la mission de Jésus? Study resurrection. Étudier la résurrection. The meaning of resurrection. La signification de la résurrection. Then you will know the man is mandate. Et vous comprendrez son mandat. I am the resurrection. Il dit je suis which means la résurrection. To give life. Ce qui veut dire donner la vie. To what is dead. À ce qui est mort. To give use. Donner l'utilité. To what have been rendered useless. À ce qui a été déclaré inutile. He came here on earth. Voilà sa raison de venir ici sur terre. Hallelujah. Now, mandate or mantle. Maintenant le manteau. For mandate. Pour le mandat. You cannot accomplish that mandate. Tu ne saurais accomplir ce mandat. Without the anointing. Sans l'onction. Hallelujah. That was why when Jesus came. C'est pourquoi quand Jésus when he was baptized. Baptisé, the Holy Ghost descend upon him. Le Saint-Esprit descend that was the spirit of his assignment. C'était l'esprit de son devoir. Hallelujah. Now, what is the mandate of this commission? Et quel est le mandat de cette commission? The mandate is a mandate of liberation. C'est le mandat de la libération. It means there is a spirit. Ça veut dire qu'il y a un esprit of freedom, de liberté, of liberation, de libération, that I possess. Que je possède. Beyond reasonable doubt. Et sans aucun doute, we have seen the proof. Nous avons vu les preuves. That this ministry que ce ministère carries the mandate of liberation. Porte le mandat de la libération. Hallelujah. And that mandate is going to fall upon somebody here today, the mantle. Ce manteau va descendre now, sur quelqu'un aujourd'hui. When you are being released, quand tu es libéré, you are being released quand tu es libéré, to do what your master does. Tu es relâché pour faire pour you are being released ce, with the mantle. Quand tu es relâché par le, Elisha, avec le manteau, Elijah release Elisa with the mantle. Élie a relâché Élisée par avec un manteau. Two of us. He will release him with what? With the mantle. Il a relâché avec un manteau. And he went with the mantle. Il est allé avec le and manteau. And did what the master does. Et what is a mantle? The mantle is anything that have contact. Qu'est-ce que le manteau? C'est toute chose qui entre en contact. With the anointing. Avec l'onction. With the anointing. Avec l'onction. That way, see, I bless those handkerchiefs. C'est la raison pour laquelle I have blessed them. Je les ai the Bible says in those days, en ce jour-là, the shadow l'ombre of Peter de Pierre was healing the sick. Guérissait people les malades. Take handkerchiefs les gens prenaient les and they come and touch it with touching with et venaient what happened? Le toucher. They could be healed. They ils got healed. Être guéri. And even Jesus, et même Jésus, the woman issue of blood, la femme à la peine did de not sang, touch him. Ne l'a pas touché. But touched the mantle. Mais a touché le manteau. Is it true? Est-ce vrai? He touched what? He touched the mantle, the il a touché robe, le manteau, the garment that le, had contact with him. Le vêtement qui était she en contact was avec lui. To touch just that what? Elle avait l'opportunité de toucher juste son vêtement. And she was healed. Et elle a été guérie. Let me tell you. Je vous le dis. This mantle of this mandate of liberation. Ce mandat de la libération. Is there to liberate you from elle poverty? Elle est là pour vous libérer de la pauvreté. From sickness. De la maladie. To free your family. Libérer ta famille. To restore life. Restaurer. And la vie, I pray for you. Et je prie pour vous. As a member of this commission. En tant que membre de cette commission. You're supposed to operate in this same mandate. Tu es supposé opérer sous ce when même mandat. When you say under the grace of my Father. Et quand vous dites sous la grâce de mon Père. Like Elisha. Tu pries comme Elisha took the mantle. Élisée prit he le manteau, says, il dit, I don't need to call my father. Je n'ai pas besoin d'appeler my mon père. Is no longer here. Mon père n'est plus ici. But he didn't go with the anointing. Mais il n'est pas parti avec I le manteau. I got it here with me. Je l'ai avec this moi. Is the mantle. C'est le what manteau. I've got contact ce qui entre en with contact my father. Avec mon père. I will not call him. Je ne vais pas l'appeler. This mantle I will release to you today. Ce manteau que je you vous don't need to call me. Vous n'avez pas besoin de m'appeler. If there is a problem in your quartier, si y a un problème dans votre quartier, take off your mantle. Prenez votre manteau. If there is a blind person in your quartier, si y a un aveugle dans take off your mantle. Prenez votre manteau. If there's a demon in your house, take off your mantle. Prenez votre manteau. Something is going to happen. Quelque chose va se passer. This week shall be filled with testimonies. Cette semaine sera pleine de témoignages. I will release you this week. Je vous relâche cette with semaine. With abundance of testimonies. Avec l'abondance de témoignages. With the mantle you carry in your hand. Avec le manteau que vous porterez you en main. You will chase demons in your quartier. Vous allez chasser les démons dans votre quartier. With the mantle you hold on your hand. Avec le manteau que vous tenez en you main. You would oh macabre. Open the blind eyes. Ouvrez les yeux des aveugles. A woman testified. Une femme a témoigné. That she took her mantle. Elle prit son manteau.
Her handkerchief, son mouchoir, had only touched on the screen. Elle toucha l'écran. The mantle only hear my voice. Juste en écoutant ma voix. And the thing got anointed. Ça a reçu l'onction. And she went and put in the eyes. Elle est allée mettre sur les yeux. Blindness disappeared. La disparu. Il y a la puissance dans la where foi. You believe quand tu crois in your prophet, en ton prophète, there is nothing he does that you cannot do. Il n'y a rien qu'il fasse que tu ne puisses faire. Hear me? As you are going this week, quand vous rentrez en cette semaine, some of you look for the sick. Pour certains, cherchez look les malades. For the dead, cherchez les morts. And bring them back to life. Et ressuscitez-les. You have life in you. Vous avez la vie en vous. You don't carry only your own life. Vous ne portez pas seulement votre vie. But you carry lives. Mais vous portez abundance les vies. Of life. La vie en abondance. Anywhere there is no life. Partout il n'y a pas go de vie. And give life. Allez donner la vie. Anywhere there is no life. Partout il n'y a I pas say, de vie. Go and give life. Je dis allez donner la vie. Lazare était mort, sa famille l'a manqué. Jésus fit se rentrer, il a opéré le miracle. Jésus est puissant, oh! Jésus est puissant, il n'y a pas pareil, il n'y a pas pareil. Liberty TV, bringing God's presence into your home. Liberty TV, la présence de Dieu chez vous.